Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Hugh Jackman est l'un des acteurs les plus célèbres de la planète. Et pourtant, ce dernier n'hésite pas à s'engager quand il le faut. Surtout quand un de ses compatriotes est pris à partie. En 2020, le monde entier avait découvert un petit garçon prénommé Caden Bell. La mère de l'enfant âgé de seulement 9 ans avait partagé une vidéo déchirante de son fils. Celui-ci était harcelé à l'école. Cette publication avait fortement ému la toile. Les internautes avaient pu découvrir Caden Bell en pleurs à cause des moqueries et critiques qu'il recevait au sein de son école. En Australie, donne-moi un couteau, je veux me suicider. Je veux que quelqu'un me tue. Avait-il supplié. Un grand nombre de personnalités publiques, dont Hugh Jackman, avaient partagé la peine de la maman et avaient soutenu la famille dans ce combat acharné contre le harcèlement. L'homme de 52 ans s'était rapidement emparé de son smartphone et s'était directement adressé au petit garçon via son compte Twitter. Caden, tu es plus fort que tu ne le crois. Je suis ton ami, avait écrit Hugh Jackman. En ce lundi 6 septembre 2021, Hugh Jackman est un homme meurtri. L'emblématique acteur de la saga X-Men a annoncé une tragique nouvelle dans sa dernière publication Instagram. Il vient de perdre son papa. Aux premières heures de la fête des pères en Australie. Mon père est décédé paisiblement. Et bien qu'il y ait une profonde tristesse. Je suis rempli de gratitude et d'amour. Mon père était, en un mot, extraordinaire. Il a consacré sa vie à sa famille, son travail et sa foi. Je prie pour qu'il soit maintenant en paix avec Dieu. A-t-il déclaré. Pour le moment, les causes de sa mort n'ont pas été révélées. Mais nous apportons tout notre soutien à Hugh Jackman, tout comme ses millions d'abonnés sur le réseau social. Pour voir la publication, c'est ici.